Donne la main sur la tienne. Je t'aime, je t'aime. Ah non, je voulais que tu m'attrapes. Ah pardon. Viens. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous ça va super méga giga bien, on est OK. Et il était pas mal celui-là. Je l'ai un peu, bravo, je me suis un peu entraîné. C'est bien, je vois les forfaits. Mes gourmandises, on est super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des Ninous en cuisine. La dernière vidéo Saint-Valentin n'était pas fructueuse, alors du coup on s'est dit, bah tiens, ouais, remettons le couvert. C'est ça. Hein, c'est le but. Le couvert. Couvercle. Non, on remet le couvert. J'ai un doute. Bébé, tu remets pas le couvercle. Ouais, c'est vrai, c'est complètement. Johan, tu remets le couvercle. Le couvercle. Bah j'ai dit le couvert, c'est toi qui as dit le couvert. Non, j'ai dit le couvert et toi t'as dit le couvercle. Ah non. Ah oui, ah oui, ah oui. Couvercle, c'est le genre de mot, tu le dis plein de fois d'affilée, au bout d'un moment il veut plus rien dire. Couvercle, 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 couvercle. Ça veut plus rien dire. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on part quand même sur une recette plus simple. Alors exactement, aujourd'hui on va vous faire un petit déjeuner healthy. 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 Sans sucre, bien-être, léger et surtout très 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 rapide à faire. Et pour vous montrer à quel point c'est une recette facile, c'est Loïc qui va la faire. Et pourquoi, mon Ninou, nous allons travailler sur le petit déjeuner? Parce qu'on déjeune le matin. Parce que le petit déjeuner, c'est le plus important de la journée. C'est moi qui vais faire, vraiment? Bah écoute, là, franchement, si tu rates cette recette, ouais, définitivement, on arrête les Ninous en cuisine. D'accord. C'est-à-dire que ta place n'est pas ici, mon amour. Ok. Alors, je sais déjà que ça va rater, parce que j'ai déjà testé, j'ai raté ça. Non, là, je suis là quand même, c'est impossible que tu rates. Et donc, aujourd'hui, on va donc faire ensemble une recette de pain perdu, healthy. Enfin non, comme Johan dirait, healthy. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je le cherche. Quoi? Bah, pour la recette, le pain, c'est bien qu'on le retrouve. Allez, cadeau, c'est là. Donc on va faire ensemble une recette de pain perdu mais qui n'est pas vraiment perdu. Non, non, il est... on va le faire, non c'est bon. Et donc ça va vraiment être un petit déjeuner équilibré, sans sucre, avec uniquement des fruits. Enfin vous allez voir, le strict nécessaire qui est suffisant pour avoir un réveil au taquet et faire quelque chose de bien d'équilibré très rapidement et très facilement. Et qui donne la pêche ? Voilà. Faut pas en manger trop. Hein. Ouais, j'ai abusé ce matin, j'ai abusé. Bon bah suivez la recette, allez, allez, c'est bon, on y va. Suivez-nous. Allez, on y va, allez, allez, c'est bon, on y va, allez, on y va, allez. Et cette recette, Ninou, on va donc la faire en deux étapes. Une première étape, ça va être le pain perdu. Et en deuxième étape, le smoothie. Le smoothie? T'as un chouette, hein? Non, non, le smoothie. Oh, smoothie. Oh, les postillons, heureusement que la caméra est là. Et donc, pour cela, il nous faudra de l'huile de noix de coco, du pain mi-complet, deux bananes, un œuf, des amandes effilées, du lait et des framboises. Alors pour commencer, on récupère une petite assiette creuse et Ninou, tu vas venir casser ton œuf. Y a pas de mélanger jaune, blanc. Tu mélanges, enfin tu casses tout l'œuf entier. Et tu fouettes. Là maintenant, tu peux ajouter ton lait. Alors ce qu'on peut faire à cette étape, on peut le sucrer en ajoutant un petit peu de sirop d'agave ou de miel. Mais aujourd'hui, on va pas le faire parce que c'est quand même très bon aussi sans. Donc là, on a notre mélange œuf et lait. Donc maintenant, on va récupérer tranches. Je peux poser une question? Quoi? Est-ce qu'au fur et à mesure de la vidéo, tu vas me pousser de plus en plus vers la gauche pour que je sorte? Non, enfin, dis-moi-le, hein, si je suis de trop sur la vidéo. Là. Donc on s'est équipé d'une poêle qu'on va mettre sur feu doux. On a notre mélange lait et œuf. Allô? Ouais, je te rappelle, je suis en tournage là. Ok. S'il te plaît, ouais, c'est gentil. Pardon, excuse-moi. Et on va venir les imbiber généreusement dans notre mélange lait et œuf, pour ensuite les faire cuire sur notre poêle dans laquelle on aura déposé une noisette d'huile de coco. Et ça, c'est la petite touche que Ninou aime particulièrement, ouais, parce que ça donne ouais, le petit goût de noix de coco, ouais, au pain perdu, et c'est très 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 bon. Donc bien sûr, l'huile de noix de coco, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez mettre du beurre. Et ce qui est très drôle, les loulous, c'est que Roxane, ça fait peut-être 2 mois qu'elle me fait ce petit déj, et je me suis aperçu que hier, de pourquoi le pain avait le goût de la noix de coco. C'est l'huile de coco. C'est parce que c'est à base de noix de coco. On y va, je peux... Vas-y, donc imbibe tes petits pains de mie, généreusement, avec amour. Donc tu vois, tu vas le faire 10-15 secondes de chaque côté, hop, tu le retournes.
Faut pas non plus trop l'imbiber, parce que si vous l'imbibez trop, en fait ça va devenir de la bouillie, il va s'émietter, donc faut suffisamment l'imbiber, vous allez le sentir de toute façon. Okay. Et t'as pas préparé ta poêle du coup. Donc je te le tiens. Viens m'aider. Et là on va mettre donc la noix de coco sur la poêle chaude. Et ensuite on va faire cuire à peu près 1 à 2 minutes de chaque côté le pain perdu. Franchement, mon Ninou, tu t'es gavé. Ils sont beaux, hein? Ils sont vraiment, vraiment beaux. Et ça sent mais juste trop bon. Pour dire la vérité, on sort de table, mais je crois qu'on va les bouffer. On a trop, trop faim. On pourra pas attendre le goûter. Ils sont parfaits. Donc maintenant, pour agrémenter nos pains perdus, on va faire comme tous les matins à la maison. C'est maintenant qu'on va ajouter une banane et un tout petit peu de framboise. Et là, on en a pas, mais aussi, on peut mettre un petit peu de... sirop d'érable. Nous, on met du sirop d'érable. Alors oui, on dit sans sucre, mais on blinde de sirop d'érable. Ouais, si on met du sirop d'érable, du coup, c'est plus sans sucre. On en met pas mais beaucoup. Voilà. Alors moi, mon Ninou, je m'occupe des petites framboises. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de déjeuner le matin, nous, honnêtement, c'était le cas. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on se fait des vrais et des gros petits déj le matin. Et c'est super important. Et ben, si vous prenez le temps, voilà, vous prenez 5-10 minutes le matin pour vous faire un truc qui fait envie, vraiment, vous allez voir, vous allez apprendre et prendre plaisir à déjeuner le matin. On l'a le temps le matin. Hein. On voit que Loïc, il s'applique dans la découpe des bananes. C'est fait tellement proprement. T'aimes pas? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est net, c'est... Bah oui. C'est une excuse. On pose le téléphone. Mais en fait, c'est... Merde! On passe le téléphone et on fait le petit déj le matin! Pas compliqué quand même! Oh mon Dieu, il faut arrêter de trouver des excuses! Allez, vas-y, mets-les. Non, mais parce que ça, c'est vraiment la touche. Alors ça peut être la touche gourmande si vous arrivez à les mettre sur l'assiette. Du coup, si vous avez suivi la recette depuis le début, il nous reste des framboises et aussi une banane. Donc du coup, tu vas récupérer le blender. Allez, tu ouvres. On ouvre l'upercule, on va y placer les framboises pour commencer. Mettez tout, n'ayez pas peur. Ensuite... on met là-bas. Alors moi perso je mets avec la peau, je trouve ça meilleur. Mais bon. Bref, c'est un autre délire. Et du lait peut-être. La banane, alors là du coup vous avez deux options. C'est pour ça que j'ai pas mis dans les ingrédients. Mais vous allez soit utiliser du lait, soit du lait d'amande. D'ailleurs pour le pain perdu aussi on peut utiliser du lait d'amande. Soit de l'eau. Donc nous dans notre smoothie ce qu'on met habituellement c'est de l'eau. Et en fait il n'y a pas d'ingrédients et de dose. Tout simplement parce que la technique c'est de mettre suffisamment d'eau ou de lait pour couvrir vos fruits. Est-ce qu'on remet ça? Écoute, c'est éventuellement. Tu sais que moi, une fois que j'ai fait un smoothie, j'avais pas remis le haut. Et ça sort quand même. C'est étrange, ça ne m'étonne pas de toi, mon ami. Non, mais je pensais pas que ça... Hein? Je le tente à la marocaine, Ninou. On a le pain perdu, on a les bananes, on a les framboises, on a les amandes effilées, on a le smoothie, franchement. On a la table, on a l'assiette, on a le verre, on a tout. On a tout pour un beau petit déjeuner, je suis super fière de toi Ninou. Il est beau hein? Ouais, ce n'est pas la fin des Ninous en cuisine parce que tu t'en es sincèrement bien sorti, tu as été à mon écoute. T'as été quelque peu dissipé à quelques moments, mais dans l'ensemble tu mérites vraiment une très belle note. Combien? Ah là t'as un 10 sur 10, vraiment. C'est vrai? Enfin. En appréciation visuelle, en comportement, t'as un petit 5 sur 10. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je sais que tu sais le faire. Ouais. Le matin, bah, tu pourras le faire toi de temps en temps. Eh ouais, mais non. Bah oui. Eh non. Bah oui. Aïe, 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 non. Ah non, le matin, je peux pas. Pourquoi? Bah, tous les matins, j'ai aquaponé de 8h à 8h. Eh non. Donc j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais c'est une recette que j'avais proposée en story sur Instagram. Et vous l'aviez adorée, du coup, je me suis dit, pourquoi pas la faire sur YouTube. Donc si c'est pas encore fait, on vous invite à venir nous suivre sur Instagram. Moi c'est roxane.lmp, Ninou c'est loromat06. Pensez aussi à prendre des photos de vos réalisations et à les poster sur vos comptes, sur vos stories, etc. avec le hashtag l'atelier de Roxane. Tous les jours on vient voir vos photos et on en commente et on like un maximum d'entre elles. Pensez au petit pouce bleu, on vous attend dans les petits commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ouais, ouais. C'est bon ces petites framboises là? Non, on a pas fait la photo. Viens. Attends, on va faire. Posez la main sur la tienne. Tu m'as. Aïe! Ah! Oh!
perdu. Donc c'est vraiment un pain perdu Isli dans le sens où il n'y a pas de sucre. C'est fait... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Isli, c'est comme je dis Isli. C'est Isli. H-E... Elfie. Elsli. Comment? Elfie. 1, 2, 3, 4. Allez les filles, on lève les jambes. Ça. Pourquoi tu filmes là? Donc là, avec la recette qu'on vous a donnée avec en main, il y a de l'huile dessus. Oh, mais elle est chaude surtout, putain! Pardon, Ninou! Moi, je viens plus! Mais bébé, elle est bouillante, je viens de la mettre là! Putain, elle m'a cramé quoi! Bah, Ninou! Non, attends. Bah, alors, Ninou, pour commencer, tu t'occupes de la banane. Bah, alors, moi, je m'occupe des framboises. Ninou, il va s'occuper de la banane. Alors moi je vais m'occuper des petites framboises. Est-ce que c'est clair comme je l'ai dit? Mais moi je trouve que franchement, c'est... j'ai rien compris. J'ai rien compris, mais bon c'est ok, ça va, moi ça me va. Ça t'as vraiment pas compris ou t'as quoi? De quoi? T'as pas compris? Je pense que personne a compris. Parce qu'il faut mettre de l'eau au-dessus de tes fruits. Faut que l'eau dépasse tes fruits. D'accord, mais c'est-à-dire? Tu mets l'eau, faut que ce soit au-dessus des fruits. Ah! Ok, d'accord. En fait, il faut que ça arrive au-dessus. Tu fais exprès. C'est le moment pour dire quelque chose que j'attendais de dire depuis super longtemps. Je suis très très émue, bébé. Alors,